Je suis un humain. C'est quoi? Comme toi, sauf que j'ai pas de nageoire et je vis en dehors de l'eau. Je peux y aller? Bien sûr. Je peux venir avec toi? Ouais. C'est quoi? Là, ce sont des hippocampes. Sur le sable, il y a des étoiles de mer. Et là-bas, entre les algues, il y a plein d'autres variétés de poissons. Des petits poissons comme toi. Il y en a plein. Le petit poisson. C'est beau, hein, chez toi. On lui donne un nom? Lui, il pourrait s'appeler Monceau. Je mange pas le poisson. Bah, selon les espèces, un poisson, ça mange des algues, des plantes, ou bien des crustacés, ou des larves, des œufs de poisson, mais là, ça ressemble à rien de tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les poissons? Je sais pas. Ils sont cachés! Ils sont fous, là! Ils ont dû aller se protéger, ça devait être dangereux. Viens, on fait demi-tour. Je dois y aller. Mais où ça? Chercher le poisson. C'est froid! Je veux respirer. Je veux de l'eau propre. Trop de plastique. Je veux pas de plastique. Aïe. Petit poisson, tu fais quoi? Petit poisson, je te vois plus. Va cacher dans la roche. T'as dit quoi? Va cacher dans la roche.
Il n'y a pas eu de fumée, il n'y a pas eu d'urne. Je ne saurai jamais si elle a servi de repas, de matière fertile ou si son corps a dérivé jusqu'à sa dissolution. Sa dépouille n'a jamais augmenté l'addition de notre culpabilité environnementale. Il n'y a eu que moi et ma peine. Que moi et mon traumatisme. En maltraitant notre planète, c'est comme si on se rapprochait de notre propre fin. Comme si on accélérait notre propre mort. J'ai jamais eu peur de mourir d'une maladie, j'ai jamais eu peur de mourir de violence. Je me suis jamais enfermée nulle part pour me protéger de quoi que ce soit. Ou alors si, je me suis enfermée sur la planète Terre. Et justement, l'idée que ce vaisseau, sur lequel mes pieds s'appuient, puisse lâcher, est finalement l'idée la plus terrifiante et la plus insupportable du monde. Et quand je l'ai réalisé, j'ai pris une grande décision. Je veux pas mourir de peur. Alors, pour reculer ma mort écologique, ou sanitaire, ou conjugale, la meilleure chose que je puisse faire chaque jour est d'agir. Parce que agir, c'est vivre.